Où que vous soyez, que vous utilisiez le site web RBC Placement Direct ou l'appli mobile RBC, il vous sera facile d'acheter et de vendre des actions. Quelques étapes suffisent pour acheter ou vendre une action en toute sécurité sur le site de placement en ligne. Tout d'abord, ouvrez une session pour accéder à votre compte et allez au menu « Passer un ordre ». Choisissez ensuite le type d'opération que vous voulez effectuer. Sur un appareil mobile ou à écran tactile, vous faites votre choix à partir du menu de vignette « Passer un ordre ». Si vous négociez sur votre appareil mobile à l'aide de l'appli RBC, sélectionnez « Placements en direct » dans le menu principal à l'ouverture de la session. À l'écran d'accueil, sélectionnez « Opérations », puis suivez les étapes décrites dans cette vidéo. Voyons comment effectuer une opération sur Actions. Sélectionnez « Actions » dans le menu. À la page « Entrée d'un ordre visant des actions », choisissez le compte à utiliser pour l'opération. Une fois le compte choisi, les soldes en espèces, en dollars canadiens et en dollars américains, s'affichent en temps réel, de même que le pouvoir d'achat combiné de votre compte. Dans le menu « Actions », choisissez « Acheter ou vendre ». Entrez le nombre d'actions que vous voulez acheter. Entrez le symbole du titre que vous achetez ou vendez. Sélectionnez le marché canadien ou américain. Vous pouvez cliquer sur « Afficher cote » pour connaître le cours actuel du titre choisi. Par défaut, le cours de l'action correspond au cours du marché. Dans ce cas, on parle d'ordre au cours du marché. Pour passer un ordre à cours limité, sélectionnez le marché canadien ou américain, puis entrez le cours limite, qui représente le prix maximal que vous êtes prêt à payer en tant qu'acheteur. Pour passer un ordre d'achat stop, entrez le cours stop. Seul le marché américain accepte ce type d'ordre. Pour passer un ordre limite stop sur le marché canadien ou américain, entrez à la fois un cours limite et un cours stop. Le cours limite correspond au cours maximal que vous êtes prêt à payer et peut être identique au cours stop. Une fois un cours stop ou un cours limite entré, vous pouvez indiquer une date d'expiration pour l'ordre dans la zone « Valide jusqu'au ». En cochant « Tout ou partie », vous acceptez n'importe quel nombre d'actions jusqu'à concurrence du nombre total d'actions visées par l'ordre. Offerte sur le marché américain seulement, l'option « Tout ou rien » signifie que l'opération ne peut pas faire l'objet d'une exécution partielle. Toutes les actions demandées doivent être négociées en une seule fois. Si vous accumulez des points RBC récompenses, vous pouvez les utiliser pour payer la commission sur l'opération. Cliquez sur « Continuer ». Vérifiez que tous les éléments de l'opération sont corrects, puis cliquez sur « Confirmer ». Vous pouvez imprimer la page « Opération terminée » pour vos dossiers. Pour vendre une action, suivez les mêmes étapes, mais en choisissant « Vendre » dans le menu « Actions ». Comme pour l'achat d'une action à une bourse canadienne ou américaine, vous pouvez choisir un ordre au cours du marché ou un ordre à cours limité en entrant le cours limite, c'est-à-dire le cours minimal que vous êtes prêt à accepter en tant que vendeur. Pour une vente, vous pouvez aussi passer un ordre stop avec limite qui sera exécuté au cours précisé ou à un cours plus avantageux une fois le cours stop atteint. Dans le cas d'un ordre de vente, le cours stop doit être inférieur au cours actuel de l'action et le cours limite doit être inférieur ou égal au cours stop. Pour un ordre stop, entrez un cours stop, c'est-à-dire le cours auquel l'action doit baisser avant que l'ordre soit exécuté. Les ordres stop sont uniquement autorisés sur le marché américain. Vous pouvez consulter l'état de vos ordres à tout moment. Sélectionnez « Vérifier mes ordres ». Dans le menu, passez un ordre sur votre ordinateur. Ou sur votre appareil mobile ou à écran tactile. Si vous négociez à l'aide de l'appli mobile RBC, sélectionnez « État des ordres » à l'écran d'accueil. Pour ouvrir une session dans votre compte et vous lancer dès maintenant, ou pour obtenir plus d'informations, allez au www.
www.rbcplacementsendirect.com.